Rollis TV, bonjour et bienvenue à l'ouverture critique de Agence Barbare, le jeu drôle, comme c'est écrit ici, un jeu drôle de Jean-Cyril Delpature d'après la bande dessinée de Marco Éolier du même nom. Donc c'est aux éditions Stella Maris, c'est en couverture souple, ça fait sa bonne somme de pages, hein. Évidemment c'est toujours au moment, voilà, ça fait environ 270 pages, et c'est pour la somme de 45€, vous allez pouvoir vous retrouver engagé dans cette agence barbare, cette agence qui, eh bien, va régler les différents conflits qui peuvent exister dans la cité d'Altaris. Alors l'agence barbare, le jeu de rôle, c'est assez intéressant à utiliser parce que pour ma part je ne connais pas la bande dessinée et ça permet de voir justement comment est-ce qu'un jeu peut laisser transparaître l'ambiance d'une bande dessinée à travers tout simplement sa mouture et son adaptation. Donc là vous avez le plan, vous voyez là, la belle cité d'Astaris, et la première chose donc que l'on voit, ce sont tout d'abord les extraits de la bande dessinée, on explique ce qu'est un jeu de rôle très classique, et puis on parle donc d'Astaria qui est le royaume. Alors c'est une des premières choses qui frappe, hein, quand on voit, c'est que y a beaucoup de textes, hein. On en a pour son poids, ce qui fait que, alors voilà, voici donc Astaris, ce qui fait aussi que parfois on a l'impression de se sentir un petit peu noyé et on se dit ça doit être mentionné en bande dessinée, sauf que là évidemment on a tout en un coup. Vous avez un plan avec les différents quartiers d'Astaris, et évidemment à chaque endroit vous avez des petits extraits d'ambiance en quelque sorte. Vous avez aussi des extraits des bandes dessinées qui sont les bienvenus parce que ça permet justement de voir ce que cela donne en bande dessinée. Puis il y a un trait qui est très assuré et très agréable à suivre. Et ensuite, donc, on arrive vraiment donc sur l'agence barbare, à savoir donc l'histoire de l'agence, son organisation, le recrutement, et puis évidemment parce qu'on est dans un monde de fantasy qui est un monde des plus ouverts, hein, là où vous allez retrouver absolument tout ce qu'on peut trouver dans la fantasy, vous avez droit à toute la liberté possible. Donc là vous avez les différents quartiers de la ville où vous allez pouvoir vous mettre, donc ça se joue avec un système de 3D6 comme vous allez le voir. Donc voilà le crime à Astaris, les différentes lois, les autres dangers, donc lutter contre les criminels c'est pas la seule chose. Donc il peut y avoir des monstres égarés, bref, on ne s'ennuie pas. Hein, et là, vous voyez aussi, il peut y avoir des gens qui trouvent des marteaux. La création du personnage arrive, et quand je vous disais qu'on peut absolument tout créer, je ne vous mentais pas, parce qu'on peut aller du centaure au dinodonte, donc on est content d'avoir l'illustration, le gorg, le lycanthrope, le gnoll. Alors c'est aussi une des choses, vous voyez donc cette maquette en deux colonnes où j'aurais aimé juste que certains caractères soient en gras pour mieux me reconnaître, ça fait qu'on est quand même un petit peu submergé, donc parfois le mieux est l'ennemi du bien, certes on en a pour notre argent et on a beaucoup de choses à analyser, à ingurgiter, mais là on se retrouve finalement parfois avec trop de choses, donc voilà ce qu'on aime faire. Également, donc les personnages vont avoir donc des défauts là, les différentes branches, vous voyez les défauts qui sont ici, donc là-dessus vous allez pouvoir jouer avec, donc là vous lancez 4 D6, vous allez pouvoir jouer dessus pour créer vos interprétations, les différentes progressions, donc les cités, j'ai beaucoup aimé la table des situations familiales, parce qu'on sent aussi que ça rend possible d'autres styles d'aventure, toujours dans ce petit côté très humoristique et assez attachant. Donc les règles du jeu, donc c'est tout simple en fait, hein, vous avez un système de difficulté, enfin une échelle de valeur à faire à surmonter, donc vous rajoutez vos attributs, ensuite vous rajoutez compétences ou valeurs, et puis vous lancez le tout, donc vous lancez les dés, 3 D6 plus vos modificateurs, c'est ce qu'on appelle le seuil d'action, et en fonction de votre seuil de réussite, vous devez atteindre, excusez-moi, votre seuil de le seuil de réussite. Donc ça, c'est très simple, ça casse pas trois pattes à un canard, mais justement il fallait cela. Et on a après donc les différents jets en opposition, et surtout on va arriver donc à la règle du combat où
plus précisément l'art de se faire mal. Et ça, c'est un système. Alors, je crois que c'est un petit peu inspiré de Bloodlust, si mes souvenirs sont bons, parce qu'en fait, vous lancez 3D et donc vous avez le dé de pénétration, à savoir qu'en fonction de l'armure de l'adversaire, bah, vous allez savoir si vous pouvez toucher. Bien sûr, vous avez quelques bonus. Ensuite, donc, vous avez le dé de localisation et puis vous avez le dé de dégâts. Donc évidemment, si vous lancez 3D6, eh bien à ce moment-là, vous pouvez vous allez faire très mal. Alors, vous voyez, donc brutalité dans le score d'action, bagarreur et bonus, tous les bonus utiles. Donc là, les règles de combat couvrent un petit peu tout. Donc on a les différentes manœuvres, les situations de combat, et on a également donc la magie qui peut venir. Donc les autres façons de se faire mal, les fameuses chutes, faim, froid, poison et tout cela. Et enfin, on arrive, comme je vous le disais, à la magie. Alors là, la magie aussi, hein, c'est pareil. Vous avez de quoi. Vous avez de quoi faire, donc on a les différents domaines magiques qui sont proposés, on a le fameux test magique. Alors ça me fait penser également, j'ai oublié de vous dire, dans le système de jeu, donc quand vous faites 3-1, évidemment c'est un échec critique, mais quand vous faites 2-1, plus quel que soit l'autre score de votre troisième dé, c'est aussi un échec, c'est un échec automatique, et on a la même chose avec les 3-6 et 2-6. Donc ça donne effectivement une petite souplesse, une petite élégance à ce système de jeu. Je trouve souvent que les systèmes de jeu, d'ailleurs en D6, sont assez sous-estimés. On peut faire de très très jolies choses avec les dés qu'on utilisait pour jouer aux petits chevaux étant petit. Donc vous voyez, on a les scores et on a les sorts. Alors là aussi, hein, les sorts, hein, je vous disais, on a de quoi faire. Donc là, je vous passe tout cela. Donc guérison de la folie, marcher sur l'eau, ralentissement. On a en fait tout un jeu de fantasy complet qui est dans un setting qui se veut léger et humoristique. Le fameux bestiaire, s'il en est. Là aussi, hein, faut bien aimer lire dans tous les sens. Voilà donc les différentes créatures que vous pouvez rencontrer. Et enfin, nous arrivons donc à les experts Astaris, donc c'est pas Los Angeles ou ailleurs, ce sont en fait plein de petits conseils de jeu, vous voyez, donc sur les figurants, donc comment ils peuvent être. Donc ça aussi, c'est, vous pouvez rencontrer des gens et prenez cette page et vous pouvez créer, inventer tout de suite. Et là, vous avez la générateur aléatoire de personnages non joueurs. Et c'est vraiment une riche idée parce que, effectivement, on est dans un concept d'enquête policière. Alors, même si c'est des enquêtes policières qui sont comico-fantastiques, eh bien, il faut néanmoins savoir peupler et fournir des interactions à vos joueurs qu'ils vont rencontrer. Donc, vous avez juste à lancer les dés là. Là aussi, vous avez les tables d'intermède. Vous savez, c'est juste avant la pub. Là, on a toutes ces tables à la fin qui vous permettent de créer toute une ambiance dans le jeu. Donc, et aussi, on a un petit générateur aléatoire de scénario avec un méchant, un crime, une situation initiale. Contre-temps, lieu de fin, bon bref, on retrouve tous les arcs des histoires. Enfin, on a deux scénarios, donc je viens de passer là le premier. Et après, un imposant sommaire et un imposant index. Alors ici, vous avez l'index et à la fin, vous avez donc les plans de la maison du scénario et vous avez la fiche de l'agence barbare. On voit bien tous les systèmes, compétences et compagnie, donc les armes, les armures. Alors que penser de ce jeu? Eh bien, je ne connaissais pas du tout donc la bande dessinée, comme je vous le disais. Je vous l'avoue, hein, on le voit de toute façon. La lecture n'a pas été forcément tout de suite très facile parce que y a de la matière, surtout en fait quand on ne connaît pas la bande dessinée, on se retrouve asséné de nombreuses informations. Mais néanmoins, le côté décalé, assumé, l'enthousiasme avec lequel le bouquin est écrit, eh bien, fait son effet. C'est un jeu que je trouve très agréable. Si vous voulez changer d'ambiance, si vous voulez faire des parties complètement assumées dans le rire, tout en ayant en fait une trame sérieuse avec l'enquête policière et puis retrouver tout ce qui fait le charme du médiéval fantastique, eh bien ce jeu est pour vous. Vous achetez aussi la bande dessinée.
Si vous connaissez la bande dessinée, même si moi je ne la connais pas, mais que j'ai trouvé très charmant et très intéressant comme jeu, eh bien vous aurez droit à un sourcebook en plus. Donc voilà, c'est une petite surprise, une très agréable surprise d'ailleurs. Vous savez, on lit beaucoup de jeux, alors maintenant, plus on trouve de plaisir à lire un jeu, meilleur signe cela peut être. Donc c'est aux éditions Stella Maris. Il y a également un écran et nous allons vous mettre en ligne sous l'article les différents suppléments ou scénarios qui existent. Voilà, on se retrouve une prochaine fois. Petit cadeau bonus, voilà donc l'écran. Donc l'écran étant trois volets. Donc Guillaume serait content parce que c'est en format paysage non portrait. Et là vous voyez les différents protagonistes et puis on retrouve bien l'ambiance avec la ville, le côté urbain et puis les différents monstres méchants ou gentils qui sont en fond. Et petite vue sur mes avant-bras, et donc vous avez retrouvé donc la table des quartiers, les performances par espèce, et puis alors quelque chose qu'on a trouvé assez rarement dans les jeux, c'est en fait, mais c'est intéressant parce que justement, comme je vous le disais, il y a beaucoup de données dans le bouquin, vous trouvez à l'intérieur de l'écran toutes les tableaux, toutes les pages en fait qui se réfèrent au livre de règles quand vous avez besoin, les désordres magiques, les tables d'intermède, etc. J'aurais voulu pour ma part avoir les tables d'intermède peut-être à l'intérieur, ce qui aurait permis justement de créer et d'improviser bien plus rapidement et puis surtout d'improviser bien plus discrètement. Voilà, donc c'était l'écran, c'était la fin de ce petit bonus.